devenir. Nao, choisis ta maison à Poulard version JDG. PC d'aigle, Xbox Art, PlayStation, Nintendo. Ah bah moi je serais PC d'aigle alors. Quelle classe serait bien pour jouer avec vous? N'importe quelle classe qui soit 200. On est invité aussi, bah je pense que c'est une raclette géante, donc oui, un maximum d'invités hein. J'ai demandé, mais tu m'as foutu un vent, pardon. Notre percepteur est attaqué! Non, mais alors là, vos mères. Allez, c'est parti. Il en 183 en attaque. Justement! Il faut un dernier! Excellent! Alors là, si on leur défouraille pas leur mère, je ne comprends pas! Nous ne laissons pas les percepteurs de la Nahorde sans défense! C'est ta première défense perco, non? En live, oui. Je crois. C'est pour te préparer à la Ligue Coliseum, ça. La Nahordie est attaquée par des terroristes! Il nous faut sévir! Bonjour à tous! Nous ne laisserons pas ce percepteur! Vous m'entendez? Alors, on a quand même des 3 levels de 100 et un level 183. Allez hop hop hop, on change le titre. Nao PVPM Percepteur. Ils nous ont attaqué! Bon, le Percepteur, j'irais bien le lancer loin. Si Whis pouvait aller ramasser son perco après, ça éviterait qu'il soit réaggro dans la foulée là. Je vais me foutre là. Parce que le panda joue d'abord, le panda a l'initiative. Nous aussi, on a des ivoires. Voilà. Ah non, mais oui, il a fait que ça. Hein. Tous ses percepteurs, il les a mis dans les donjons rush avant. Il a bien fait, en vrai. Oui. Je crois qu'il y en a un, il s'est rempli... il avait... Je crois que c'était sur les fractales en... En même pas une heure, il y a peut-être déjà un million dedans. Oui, il a très bien fait, mais là, il faudrait peut-être qu'il aille le ramasser, du coup. Pourtant, il n'était pas à grand-chose, hein. Il a quoi, 200 millions, un truc comme ça. Ah non, il est presque un million, là, en fait. Ah, Cléosa qui est taclé. En plus, un sadis, s'il commence à nous mettre de l'étain infecté partout, ça va être vite chiant, aussi. Vous savez quoi? Je vais renvoyer le Wasta de l'autre côté. Retour à l'envoyeur. Ça va être ça. Énigme IRL. Étant un percepteur, je m'enrichis les poches. Et du trophe dans l'âme, je suis mandaté pour vous appauvrir. Qui suis-je? Les impôts. Moi, j'aimais bien dire Macron, quoi, mais... Ouais, c'est un peu pareil. Ouais, voilà, quoi. Waouh! Débarrassons-nous du level 180 là. Ah, l'état infecté sur moi. Est-ce que ça... Ah, c'est un état, donc ça se débuffe pas, j'imagine. Par contre, ça tape le perco, là. Et ça me focus. Après, ils sont en infériorité numérique. Quand même. Ah. Ah. Nao, tu veux un subprime, bien sûr. Pourquoi tu te demandes? Ça dépend, veux-tu rejoindre la Horde? Ils jouent distance alors qu'on a deux bras. Ouais, mais en attendant, ils nous font des dégâts, tu vois. Oh, et merci à toi, Ristaru69, qui a tenu parole et bienvenue dans la Horde. Nao, ça te dit pas de venir à mes 20 ans? Oula, c'est où ton anniversaire? Un Zobal! Eh, dis donc, c'est pas commun ça. Je crois qu'ils ont délaissé complètement le. Ah non! C'est une bonne zone parce qu'on. Je veux dire, ils ont délaissé le Yop, mais pas du tout. Faudrait que j'arrive à bien aller bien proche d'eux. J'ai tellement plus de PM quoi. Alors, déjà. Ça. Ça dégage.
il va me le renvoyer, hein, mais bon. Vous allez faire un ping-pong. Je sais pas qui est tapé. Parce que j'ai pas beaucoup de PA en fait, ni de PM, ni de rien. On est pas si bien parce que. Parce qu'on a un Kra qui a que 3400 de vie là actuellement. 3003 le FK. 3000, toi t'as 3000 aussi. Ils nous ont bien entamé mine de rien. Alors qu'eux ils sont. Ah voilà qui est intéressant. Belle zone ça. Encore, encore. Un glyphe. Percepteur, il va aller faire la merde là-bas. Genre, il va pouvoir aller les debuffs ou quoi. Je suis chaud pour tuer le Sadie assez vite. Ah ouais, bah, je suis chaud aussi. Hein. Oh, il tape! Incroyable ce percepteur! Wow, trop fort! Allez, nous le ramène! Hein. Oh, en plus, il a un petit trou juste pour le mettre là. Genre, incroyable. Ah non, même. Ah, d'accord. Oulala! Ah, il va. Oulala! Il va ramener le Kra. Si avec ça, on va aller le chercher. Bon, par contre, est-ce que j'ai cascade? Pas vraiment. Pas vraiment. Il va pas falloir rester là, Emericou. Ok. Il va faire trop mal. À Orléans, oulala, c'est beaucoup trop loin. Mais le perco il est infecté, c'est chiant. Parce qu'ils peuvent jouer perco, tu vois ce que je veux dire. Oui, les gens qui font ça n'ont pas d'âme, mais quand même. Ah, j'allais dire, est-ce que tu peux m'envoyer chez eux aussi, mais non, du coup ça marchera pas. Pourquoi? Parce que je joue avant toi. Ah oui. Après, je peux te balancer pour le tour d'après, par contre. Ouais, ou vas-y, invite, c'est plus simple. Ouais. De toute façon, je comptais leur courir dessus comme pas possible. Là, il va faire des doku, je pense. Zo balayette. Hein? Je le connais, lui. Ah oui, d'accord. Ah oui, c'est probable. D'avoir infecté le perco, c'est sûr, mais bon, c'est chiant quoi. C'est quoi ton jeu? Je joue à l'Ovius. Le pire, c'est qu'il peut finir le Kra quoi. On se fait battre par level 183, explication. Il faudrait qu'il le tue avant de mourir. Il m'apprécie? Ça ne va même pas. Tue-le! C'est ton moment! Oh non, il est mort quand même là. Nice.
encore. Allez, un de moins, super. Ils ne sont plus que trois. Par contre, ouais, on a bientôt le cra en moins. Bon, le Sadi, c'est le prochain sur la liste, ok? Ouais, ça me va. Mais avec le panda et le Zobal, ils peuvent... ils peuvent clairement faire des dégâts. Notre perco est... Oui, un glyph gravita avec un panda. Mais bon, on fait ce qu'on peut, hein. Oh, une petite zone magadam, peut-être. En vrai, ils ont une très bonne compo pour durer très longtemps. Ils peuvent nous battre. Ce serait terrible, oui. Terrible, affreux, tout ce ouais, avec Zobal... Bah, Zobal Dopo. Qui va pouvoir mettre des tortugas et tout sur le Sadida plus que ce qu'on va faire de dégâts, tu vois. Ouais, ça va être ça quoi. Ça va surtout être ça le problème. Faut taper le Sadi. Oh, il a 130 récrits. Retirer des PA. Oh, il va se cacher. Ah, le perco prend plus de dégâts. Nice. Par contre, le FK est trop mal. Ah si, le perco prend encore des dégâts. Ah si, le perco prend encore des dégâts. Je dis des bêtises. Ça y est, j'ai plus d'argent, Nao ne me dit plus bonjour. Mais je ne t'ai pas vu arriver. Je suis hyper concentrée. La Nord est attaquée, entendez-vous? Le truc, c'est que vous allez vous faire du mal, là. Lui, va descendre, il va faire des dokus. Même pas, il descend, en fait. Nao, je t'aime. Qui parle? Ah, c'est le panda. Ah merde, il est en... Oh non, c'est le... Je suis sur le serveur Hagrid, pour ceux qui demandent. On est en train de perdre notre FK. Qu'est-ce que je fais? Je tape, il y a l'ivoire. Je fais ça pour enlever l'ivoire. Une disserte de philo, j'ai envie de te prendre 4 heures sur mon bureau. What the fuck? Allô? Vous êtes en train de perdre tout court. Bah oui, on voit bien. Ne t'inquiète pas, nous constatons la même chose. Quel poète. Ils ont une meilleure compo que nous, c'est indéniable. Oulala, ce percepteur. Incroyable, les dégâts qu'il fait. Mais la map est pas non plus. Pourquoi il essaye pas de debuff quoi que ce soit à un moment ou non, non. Ce perco jette des cailloux. Non, t'inquiète pas, vu que c'est un percepteur, il va debuff quand il y aura plus rien à debuff. Hein. Mmh, ouais, ça doit être ça. Faudra qu'on lui apprenne la vie à ce percepteur un jour. Oh mais en plus, oh là, ils sont trop équipés, nous on est venus comme des... nous on est venus en pleine forme mais là on fait pas le poids. Hein. Nous ne sommes pas dans l'optimisation. Nous aurons essayé. Mais qu'est-ce que tu veux faire? Là à part taper le panda...
est venu tout nu. Non, mais pas tout à fait quand même. Les bons cancers. Ah non, mais laisse tomber quoi, la compo qu'ils ont. Ils ont la compo, la bonne initiative, les bons sorts, les bons stuff. Ouah, c'est bien ça la flèche curative. Oh non, pas les temps infectés. Oh là là, mais je me prends encore des dégâts et le perco aussi, mais c'est indéfini cet état là quand ça s'enlève. Un tour. Trop chiant. Il va le relancer, c'est ça? Percepteur. Par contre, du coup, si on meurt, on sort du donjon, je vais devoir faire la route, oui. C'est ça? Putain! C'est ça. Heureusement, j'ai mon tir autopiloté. Bah, de toute façon, il y a encore Idesia qui est. Devant? Ouais, normalement. Enfin, ou alors pas loin, du moins. Allez, le plastron! Mais encore ça va, heureusement que cette fille a pas pris le bouclier. Hein. Ah d'accord, c'est sans ligne de vue ce sort. Ok. Bon. Le moment est venu. Multifocus, en plus on n'est pas trop oufissime. Hein. Je suis devant le donjon pour ETP si besoin. Ah, nice. Nice. Waouh! Qu'est-ce qu'il y a à faire là? Mais par contre, où sont partis ces points de bouclier? J'aimerais comprendre. Je ne comprends pas. Où sont partis les points de bouclier? Je les ai bien vus, j'ai bien vu 4000 points de bouclier pop sur la map là! Cherche pas ma classe pu! Non mais si, il y avait une ataraxie mais. Elle est partie où? Je sais pas. Attends, quoi? Mon dieu ce Vega! Je pense qu'il a mis clic ou. Je sais pas. Il y a un truc, quelque chose. Ah mais non! Non, je sais. C'est les poisons. Ah. Vu que la Taraxie, ça s'enlève, c'est pour tanker juste un seul coup. Ah bah c'est un peu bah, mal, le seul coup, il est parti. Ah ouais. Ah. Je crois que ça va sonner de décès pour moi. Le truc c'est que si on se rapproche là, ils vont pouvoir nous installer avec le panda comme ils veulent pour faire zone aussi là. Bon et bien adulte. Ah t'es mort aussi. Oui, il est infecté du coup, il a contagion. Ouais contagion. Ah bah du coup je suis infecté aussi de même non c'est pas paralysante. Ah non je suis point infecté. Oh là là. Du coup, ce qu'on va faire, c'est une petite zone. Genre comme S. Et après, on va se casser bien vite. Bien vite. Seigneur, protégez-nous. Waouh, merci le perco. Bon, ben, on va mourir, hein.
On s'est fait battre alors que nous étions en supériorité numérique. Oh, c'est dommage que le deuxième Kras soit mort aussi vite. Hein. Bah, ils ont très bien joué, ils l'ont attiré. Là, on peut rien faire. Bon, ce qui est bien, c'est que les autres ont dû faire les quêtes du coup. Ah oui, je pense que là, il a pris sa petite binouze. Mort 1, mais ce compteur de mort ne compte pas, nous n'étions pas en donjon. Eh, si tu abandonnes, tu n'es pas mort. Ce n'est pas des sacs d'artegel en face de nous. Dis pas ça, je suis sûr qu'il est capable de skyline d'un sac d'artegel. Bon, on pouvait défendre des percepteurs, que nous avions de l'honneur. Mais non, on n'est pas encore assez... mon stuff pue, peut-être, je sais pas. Mais... pas que le mien, d'ailleurs. Ouais, le mien aussi. Adieu, monde cruel. T'as perdu, mais on t'aime quand même. Vous vous êtes fait salement boxer. Ah bah on n'est pas au niveau, hein. Voilà, voilà. Bah tant pis, on aura essayé de sauver le perco de Wiz. Adieu. Mais sans succès. Bon après, tu vois, l'avantage d'être pas une joueuse PVP, c'est que j'ai rien à prouver à personne, tu vois. Limite, je gagne, c'est la honte pour ceux d'en face. Et c'est ça qui va être bien avec la Ligue Coliseum. C'est que je vais arriver et puis je vais faire « Alors, t'as perdu ?» T'as perdu contre moi ? Ah bah bravo, hein, je te félicite pas. Voilà. Oh la toxique. C'est ça qui est bien d'être nul. La puissance des outsiders. Non mais moi j'attends qu'il tue le perco quand même. Parce que j'ai envie d'aller en donjon. J'ai pas forcément envie d'abandonner. Vous pouviez faire ça vite. Go acheter Denver pour faire saliver Naomi. Quoi? Il a acheté le dinosaure sur World of Warcraft? Denver, Denver. Ah, il a plus de thunes. Bon, ça va alors. Si t'es pauvre, ça va. J'ai le hockey. Moi, c'est mon objectif. C'est d'avoir Denver, le dinosaure, sur World of Warcraft. Ça va alors, la fière. C'est quoi des montures à trois places? C'est plus des Uber là, c'est des chauffeurs, c'est le Uber Pool. Bon, moi je suis juste sur mon petit cheval là, que j'ai eu gratuitement, ça me va. Hein. GG, j'ai pas dit GG. Je sais pas s'ils ont ah, le moi, temps non, de... Non, non, c'est parti après. Bon, eh bien, nous reprenons la route. Direction Île de Frigost, la bourgade. Désolé Wiz, nous n'avons pas sauvé ton perco. Forêt pétrifiée. Hop, voyager jusqu'à cette position. Oh oui, la téléportation. Mais putain, mais si j'avais su, je n'aurais pas, j'aurais pas utilisé des skis enfin. Reprendre la brasserie, voilà. C'est parti. Cette fois, on est allez, bien. Plus rien ne viendra interrompre notre donjonnade. Ah, pourquoi j'ai été deuxième, Sam? Je ne sais pas. Allez, c'est parti. Ah oui, j'ai dû faire le succès mob. Et pour bien commencer le truc, et ben figurez-vous qu'il y a un temps clume, première salle. Voili, voilou. C'est eh bien, nous sommes qui prêts. Est utilisé pour donjon. Hein? C'est quel mob qui est utilisé pour donjon? C'est quel... Ah, et oh, bah je sais pas. Ceci c'est étant, pas. Succès, monstre, Frigost, clan Martegel, ça fait 10 points. Je propose que nous chalions nomades. Ça fait mal quand même, hein. Ça a commencé fort. Nomade.
dommage, utiliser bien tous vos PM. C'est pour la bonne cause. Ouais, on part sur le Tanclume du coup. Dac. Allez, c'est Dac. La meuf qui se parle toute seule. Ouais, on va faire ça. Hein. Il est où le Tanclume? Ah, juste devant toi, quasiment. Hein. C'est fort, Aini. Bah, c'est plutôt un personnage. Bah, ça dépend comment tu le joues. Il y en a qui sont très forts, mais sinon, l'avantage c'est que ça soigne aussi. Qu'est-ce que tu fais? T'approches pas trop, hein? J'avais pu il m'avait enlevé de la PO. Ah, peut-être moi aussi. Putain, mais ça tape fort ces conneries, dis donc. Aïe aïe aïe. Alors, du coup, ce qu'on va faire, on va le pousser celui-là. Tac. Et après, hop hop. Et là, trois machins. En plus, il tape de loin. Je pense que c'est ça le pire. Putain, mais combien de points de bouclier il se met? Ça va. C'est moins pire que je pensais. Allez, le cra! Le Tanclume! C'est l'autre là! Celui-là! Le Tanclume! Que Aruxois il reste pas trop devant tout le monde là, il va se prendre tous les dégâts du monde. Et là il a sacrifié ses potes. Bah, du coup ça fait une bonne zone, c'est bien. Ça c'est un placement optimisé. Ah. Il tapping. Je pense que le pire c'est quand il te ping et qu'il fait une petite emote XD. Non mais ça ils font plus je crois les emotes. Hein. Franchement ça fait plus. Ils le font. Je veux dire qu'ils le font. Tu peux pousser ces deux là? Ouais. Ah, j'ai plus de PA. Pourquoi j'ai plus de PA? Ah. Bon, bah, rip. Je vois, je vois. My bad sur ce coup. Bon, vraiment. Attends. Deux. Défonce tout, quoi. Ok. C'est le casse-croc qui retire des PA. Ouais, c'est ça. Ok. Ah, triste. Je le laisse à 48 PDV. Tu pourras le tuer tardivement. Genre, il n'y a pas joué tout de suite. Mais c'est ok. Tu vois, pour les pousser si tu, quand tu arrives. Ah bah comme oui, ça, nous oui, on reste cachés, etc. Il ne faut pas trop de dégâts. Je pense que ça, c'est pas mal. Le fameux Sram Panda. Comment ça, le fameux Sram Panda? Bah, je pousse les gens, quoi. Je les place. Ouais. Ah! Donc tu dis que tu fais le panda, quoi. Oui, voilà. Je comprends. Va te cacher, Aruxois! Oui. Oublier les PM, hein. Nomade. Je dis ça avant tout pour moi parce que j'avais presque oublié. Allez,
choses qui arrivent. Alors si tu les pousses, c'est vers le fond, hein. Du coup là. Oui, non, mais là, je vais plutôt. Bah, ça va être compliqué quand même. Mm-hmm. Je vais plutôt les tacler avec mon double. Bah le casse-croc il va quand même taper mais... sexe masculin tué. On peut donc encore s'en sortir. Enfin, on retrouve la Nao qu'on aime tous. Non mais putain. Non mais putain. Voilà, c'est c'est pas moi. Ok, c'est pas grave, c'est une sortie commune pour des membres éminents de la Naorde. J'ai envie de dire. Et bah nous nous rattraperons deuxième salle. C'est bien pour ça qu'il y a plusieurs salles dans un donjon. C'est pour nous permettre peut-être un jour de réussir un challenge. Oh MDR, mais je... Si, t'es la Naorde, qu'est-ce que tu racontes? Non. Heureusement qu'il y a 5 salles de donjon. Et oui, tout était calculé, tout est prévu, c'est du cinéma avant tout, voilà. On est là pour faire du spectacle. Bon, je serais d'avis de nous débarrasser de ces mobs. Tu sais, ces mobs que t'étais censé peur vers le fond, hein? Un, deux. Oui, à toi que je parle, là, le SRAM de cette équipe. Allô? Ouais, allô? Non mais parce que si à un moment on suit pas les consignes, eh ben... Eh ben c'est compliqué, ok? Alors... Du coup... Hop... 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 Ouf... Ouf... C'est pas mal du tout. Ah, si j'imagine des chats sur les donjons d'en haut. Qu'il n'y a pas de challenge d'en haut. Ouais, mais c'est elle qui heal. Calmez-vous, calmez-vous. Vous n'avez encore rien vu. Et salut à ceux qui nous rejoignent. Oui, vous ne rêvez pas, nous sommes en Tazak Martegel. D'ailleurs, vous pouvez juste vérifier. Tac, tac, tac. Où est une quête d'Azak et compagnie? Ah, c'était deux briques et deux brocs. Demandez violemment une audience. Parce que peut-être qu'il faudra parler ou quoi, dernière fois. Si on y arrive, hein. On n'en est pas là, je sais. Mais bon, quand même. Ça peut valoir le coup de se renseigner sur la question. Putain, il est déjà 22h. On est qu'à la première salle. C'est triste. Un coup fatal! Rochou! Et boum. Beau, moi j'adore voir les coups fatos. Alors j'ai une dent, une fronde. Ah, ça vaut rien du tout en fait. Les gens ont tellement farm déjà, c'est ça? Ah, bah je suis full vie. Eh bien, c'est parti! Ah, c'est pas du tout la même configuration de salle. Ah, je propose que nous nous mettions par là-bas. Que nous débarrassions de ces deux mobs pour tous les amener vers le bas, vers là, tu vois, tu comprends? Je vois.
Non, reviens, bonsoir. Tu n'as rien compris. Viens, en haut. Là. Voilà. On tient quelque chose. Tu l'as pris une case, quoi. Lui, il dit, bon, faut aller là, hein. Alors, oh et merci Senzen84 pour ton resub. GG à toi, level up niveau 5. Merci beaucoup pour le soutien. Je t'envoie un cœur patate. Alors, ce qu'on va faire, c'est le barbelier en dernier. Donc, n'hésitez pas à. Ah. Rien du tout, parce que c'est moi qui vais le prendre et qui vais le balancer. Mais je pourrais pas balancer les deux. Donc, si tu peux me peur le barbelier vers moi. Pas de soucis. A-t-il régène sa vie avant de lancer le combat? Parce que là, il y a deux mobs qui ont joué. Le premier, il a tapé. Je mets juste à ton cas, du coup. Donc, ça existe un coup fatal, Joris? Oh la vache! On va perdre notre diop. Ah! Parce qu'il me pousse en plus. Alors, ce qu'on va faire. Hop, vite. C'est important. Toi, ça dégage. Toi, ça dégage. Toi, ça reste avec moi. Oh mon dieu. Tu sais que tu m'as donné l'habitat là. Je suis désespérée. Pourquoi n'es-tu pas descendu de ton piédestal avant de te donner la vitalité? Je ne comprends pas, Ruxwa. Pourquoi? 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 Voilà, là il est en train de jouer à WoW en même temps, il est pas concentré. Nao, t'inquiète pas, j'ai déjà fait ça mais sur une invisibilité. Hein. L'invisibilité, c'était un bug. Ah bon? Ah d'accord. Parce qu'en fait, tous les sorts à 0 PO, eux, tombent bien sur le personnage lanceur, normalement. D'accord. Parce que je peux dire que j'étais très content quand j'ai vu le panda invisible. Hein. Mais je crois que ça fait pareil... C'est pas pareil sur la maîtrise d'armes aussi? Peut-être. Ceci étant... là, ton boulot, ça va être de les peur, hein, d'accord? Bah faudrait qu'ils se rapprochent déjà. Oui, non, mais faut pas les laisser s'avancer. Si jamais ils s'avancent, tu peurs. Et sinon, moi, je lance, t'as compris? Ok. C'est gameplay, d'accord? Et ça le barbelier en dernier. Voilà, voilà. Je pense que c'est une bonne strat. Ah, oh, il y a tellement une bonne zone, là, j'ai envie de faire une vague à l'âme. Il est où celui qui va jouer? Putain, il va jouer. Ah, mince, il n'y aura plus la zone. Bah, en toute logique, maîtrise d'armes, c'est sur toi-même. C'est un sort à 0 PO. Donc, en toute logique, normalement, il se fait bien sur le lanceur et non pas sur le panda. Et donc, si c'est ouais, pas le cas, logique, ça serait bah, ça, c'est à corriger en fait. Alors, du coup, il y a la zone, mais il y a ton perso. Du coup, je vais juste faire ça. Et... Oh non, mais t'inquiète, non, mais t'inquiète, hein, tu peux le taper. Hein. Il est juste là pour ta clé, hein. Ouais, mais là c'est bien. J'aime bien. Oui, ça évite de le taper aussi. Ça marche. Nice. Non, en plus c'est pas mal. Il y en a. Il y a l'épidémie qui s'est bien transmise partout. Ça a bien tapé tout le monde là. Bon, après ton double survit pas comme ça. Je pense qu'au DW, s'ils avaient pu voir un truc pas net, ils l'auraient déjà utilisé. Ouais. Mais bon, après, il y a des classes qui font beaucoup plus de dommages que le panda, quoi. Oui.
Non, de toute façon, il reste que... Là, c'est son dernier... ça va être son dernier tour en ville. Hein. Bah, sauf s'il avait été son... Il cherche. Tu vois, il s'est même pas fait taper. Ah, le barbelier, il veut bien se rapprocher là quand même. Ah oh. Ah oui. Bah pousse-le. Nice. Et tu peux faire une zone en faisant des épées. Ouais, voilà. Oh, en plus, ça va, le temps qu'il a. Il a sacré. Oh, t'arrives à le finir? Dis que t'arrives à le finir. Nice. Bon, alors le va-t'en bière. Le va-t'en bière. Salut Bilouré. Oh, waouh. Oh. Oh, c'est fort. Ah, oh, c'est pas mal hein. Non, c'est pas mal. Ah ouais, là j'ai avoir un peu de mal à les pousser là par contre. Non mais... pas la peine hein, là ils sont bien amochés. Oui là, le second je pense. Le petit va finir et puis on finira par le petit barbelier. Oh ah oui. MDR, les dégâts qui se prend. Oh merde, j'avais pas vu. Par contre limite ton double... Il me reste tout. Je suis pas persuadé hein, c'est un bon résistant. Non, non, mais il meurt tout court. Ah, ok, c'est son tour de gloire. Je l'ai même pas tué. Ouh, le va-t'en-bire, il va prendre tarif, lui. Oh là là, mais c'est pas vrai, il est chiant le barbelier. Si étant, faut faire le va-t'en bien d'abord, donc le barbelier après on pourra le défoncer, peu importe où il est sur la map. Il va mourir hein, le va-t'en bière. Le va-t'en bière. Non non mais il est mort. T'es sûr? Il est mort à son tour. Oui. T'es sûr sûr? Oui. T'es sûr sûr sûr? Oui. Ok, ça va alors. Bien vu.